Et voilà, la musique s'arrête. On s'est déjà tous bien ambiancés pour démarrer la soirée. Bonsoir à tous et bienvenue sur la session numéro 6 de la Product Week. On est un peu plus loin que le milieu maintenant déjà. Et ce soir, la thématique, c'est sur les startup studios avec un titre qu'on a essayé de rendre un peu provocateur. Je ne sais pas si ça va marcher pour savoir si les startup studios font du produit sur mesure ou alors du produit à la chaîne. Et pour ce soir, j'ai la chance de recevoir Marie Petit, qui est CPO à la Fabrique by Crédit Agricole, et Didier Forest, qui est Creative Partner chez eFounders. Bonjour à tous les deux. Salut Hugo. Ça va, vous allez bien? Très bien, ouais. Bon, ça a l'air très bien. Parfait. Oui, Didier, tranquille. On Très est bien, là. très bien. Toujours. Avant qu'on démarre, je redonne un peu le mini pitch de la conf pour ceux qui se connectent pour la première fois. Donc, c'est une initiative qu'on a lancée en partenariat entre Tiga, la boîte que j'ai fondée il y a quelques années, qui fait du product management, et la BPI, que je ne présente pas évidemment. C'est une série de 9 webinars. Certains filmés depuis la BPI, comme vous avez pu le voir, certains faits en live. Comme ce soir, avec des thématiques extrêmement différentes. On a essayé de couvrir plein de sujets passionnants. Vous pouvez, pendant le talk, poser toutes les questions que vous voulez. Vous avez le chat pour discuter. Les questions, vous avez un petit système d'upvote, ce qui me permet de les regarder à droite, là, dans ma fenêtre, et de les poser au fil de l'eau à Marie et Didier, si c'est fluide. Et sinon, je les garde pour la fin. Et on essaye de répondre à tout le monde. Voilà, vous savez tout, on va démarrer. Merci à tous les deux d'être présents. Pour vous présenter très vite, Marie, je commence par toi, bien sûr. Toi, ta carrière, tu as commencé dans le market, plutôt dans les médias, Le Monde, Canal, C'est ensuite ça. l'agence, pendant quasiment 10 ans, 9 ans, mais j'ai arrondi un petit peu. Voilà, pendant 9 ans, donc une agence qu'on connaît bien, qui s'appelle Bakili, qui est devenue IBAN par la suite. Et après, tu bascules, tu vas chez les, t'intègres peut-être un client, peut-être que c'était ton client à l'époque. Je fais une C'était mon hypothèse, client. voilà, bon, un scénario assez classique, ce sont des choses qui arrivent. Donc tu bascules chez ton client au Crédit Agricole, et puis il y a un an que tu prends la tête, le CPO de, le poste de CPO de la fabrique. Alors, CPO La Fabrique, j'ai commencé au mois de mars, là, 2020, Ok, donc c'est donc tout vraiment très récent. récent. Voilà, le Crédit Agricole, j'y étais entrée il y a un peu plus de 2 ans, en mars 2018, Ok, sur super. l'activité d'expérience utilisateur. De toute façon, tu vas pouvoir nous présenter évidemment ce que vous faites à la fabrique. J'introduis juste Didier. Donc Didier, toi, tu as commencé directement dans le métier du design, un peu de freelancing au début, et puis tu intègres la belle aventure eFounders il y a quelques années déjà, tout au début, hein, quasiment, je pense. Quasiment, ouais. Quasiment au début de l'aventure, il y a à peu près ouais, 9 ans, 9 ans et demi, on fête nos 10 ans l'année prochaine. Donc ouais, sacrée aventure, et tu vas pouvoir nous en dire plus, justement. Bon, alors Marie, dis-nous, ça fait quoi la fabrique? Alors, la fabrique by CA, donc by Crédit Agricole, c'est un startup studio corporate parce qu'il est adossé justement au Crédit Agricole. Et c'est un startup studio qui est spécialisé dans la fintech. Donc, on a des terrains d'innovation qui sont tous liés à la fintech, avec une définition assez large donnée à ce terme. Et donc, on crée au sein de la fabrique des startups dont on va être la plupart du temps l'actionnaire principal et même unique souvent. Voilà, et donc on a un portefeuille aujourd'hui de 6 startups. Donc pour un startup studio qui a été créé il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, au début de l'année 2018. Et sont des startups qui sont à quel stade? Alors, on a des startups qui ont un an et demi d'existence, hein, pour les toutes premières. Je suis entrepreneur, trajectoire patrimoine. Yapla est une startup qui existait déjà auparavant au Canada. Et dans lequel donc, on a pris une participation. Et puis, KLS est plus récente, du début 2020. Et là, notre grosse actualité, c'est le lancement de la néobanque Blanc pour les indépendants. Donc, start-up Super. voilà, qui sera live fin 2020. Ok, très bien. Bon, Didier, eFounders.
L'homme qui valait 1,5 milliard, j'ai lu ça dans un article il y a quelques jours. Ah bah non, on a perdu Ouais, Didier. On parle d'argent, on perd Didier. voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Non, écoute, nous, Ifunders, donc comme je disais, ouais, ça fait à peu près 10 ans que le studio a été monté par mes associés Thibaut et Quentin. Pareil, nous, on est un startup studio, donc. Ah. Focus à nous, il va plus être sur. Ça doit être bon là. Notre focus à nous va plutôt être sur du SaaS. Donc c'est un peu plus le scope est forcément un peu plus grand. Et sur le même principe, des idées qui viennent du studio lui-même. Et notre métier, on aura l'occasion de reparler, il est double, c'est à la fois construire ses startups et leurs produits, et bien entendu recruter des équipes pour les diriger. Ok. En termes de track record, même question qu'à Marie, le nombre de startups que vous avez Ouais. pu construire. Nous, à l'heure actuelle, donc on a monté 25 startups, 4 qui ont vendu, puisque c'est le moment des chiffres, on va le faire. Dans des emplois qui ont été créés. Alors, Internet ne. T'entends moyennement, je crois. Enfin, je sais pas si je Internet suis a peut-être le fonctionné. seul, hein, mais Ouais. Ça a fonctionné pendant notre prêt, ça ne va plus fonctionner. Tu vois. attends. Et comme tu le J'ai disais, ouais, coupé ta la plus. webcam, on va garder la bande son. Voilà, on va garder la bande son, c'est le plus important. Et donc, ouais, la valorisation du portefeuille, c'est aux alentours de 1,5 milliard de dollars. Voilà, grosso modo, les gros chiffres. Ok. Alors ça a coupé pas mal, mais je ne sais pas si tu as évoqué peut-être les plus grosses startups du portefeuille, des boîtes qu'on connaît bien, comme Front, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être que les gens ne savent pas que c'est eFounders qui est derrière et pourtant ce sont des noms connus. C'est peut-être un des sujets qu'on abordera plus tard, mais c'est aussi la magie du startup studio, c'est qu'on travaille un peu dans l'ombre. Donc effectivement, nous on a lancé des boîtes comme Front et Aircall, qui sont un peu les deux figures de proue du studio très clairement aujourd'hui. Après on avait aussi des boîtes comme Mailjet, Mention, Textmaster. On va avoir aussi des Slides, Spendesk, qui sont un peu le dans les derniers batchs, et puis des toutes nouvelles, toutes petites, qui viennent d'être lancées, type Cairn, qu'on a lancé il y a à peine un mois. Ok, super. Bon, écoute, Startup Studio bien connu, c'est vrai que vous avez des très beaux résultats, donc félicitations. Alors, Merci. puisqu'on parle du modèle, ce qui est intéressant justement avec vous deux, c'est qu'on a un peu une forme d'opposition de style entre un Startup Studio, entre guillemets, dit corporate, même si, voilà, vous avez une indépendance, j'imagine, mais enfin, vous êtes quand même très rattaché à un corporate. Et puis, pour le coup, eFounders, qui est, entre guillemets, complètement indépendant. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les modes de fonctionnement des studios. C'est-à-dire, déjà, on peut parler des core teams. Voilà. Aujourd'hui, à la fabrique, Marie, c'est quoi la core team qui est transverse au portefeuille de startup? Oui, tout à fait. Donc, la core team, la fabrique, c'est 15 personnes pour couvrir les différentes expertises et domaines. Donc, il va y avoir une personne sur le juridique, une personne sur le market et la com, une comptable, une office manager, une RH, deux designers, un profil tech. Voilà, c'est pas plus que ça. On ne veut pas non plus que ce soit trop gros parce qu'on veut garder aussi une certaine facilité de communication, d'organisation et de décision, et une rapidité aussi dans les décisions. Mais en tout cas, sur chacune des expertises qu'on estime nécessaires pour créer une start-up, il y a un représentant, plutôt des profils seniors et capés, parce que qui dit aussi autonomie, voilà, puis c'est une ressource à chaque fois, donc des profils seniors. Et comme cette équipe cœur, elle intervient aussi en appui ou en expertise auprès des startups déjà lancées, ben on cherche des profils qui viennent aussi avec de l'expérience et du vécu qui vont pouvoir amener aux startups.
Oui, c'est ce que j'allais demander. C'est quoi leur rôle? Parce que si tu as une expertise tech qui doit se ventiler sur 6 startups, c'est du conseil pur, c'est quand même, ils sont actifs dans les boîtes ou comment ça marche? Je vais distinguer trois rôles, trois missions, et en parlant aussi peut-être plus des ressources qui sont sur le pôle produit. C'est d'abord et déjà de délivrer les produits digitaux pour les nouvelles idées, les nouvelles startups. Donc très clairement, quand on est sur les débuts de startups, très en amont, et qu'il faut faire la première phase de discovery, le MVP, ben c'est l'équipe cœur qui s'y colle. Et ensuite, quand les startups sont lancées avec une équipe constituée, un CEO, un CTO, effectivement, on passe un peu plus sur un rôle conseil, expertise, coaching. Ça peut être aussi du renfort sur certaines expertises ou parce que c'est un poste qui n'a pas encore été créé dans la startup. Mm-hmm. On peut continuer à renforcer l'équipe. Voilà. Puis après, la troisième mission, elle est plutôt sur le fait de travailler sur les aspects capitalisation, mutualisation, retour d'expérience, reuse, industrialisation. Voilà, ça, c'est le rôle aussi de l'équipe cœur d'aller chercher ça et d'amener ça aux startups. OK. Très clair. On va revenir après sur le modèle un peu d'incubation, justement, de la genèse des projets. Juste Didier, vous, en termes de core team, vous avez un setup qui est très différent? En tout cas, sur la taille, je pense pas trop. On a une toute petite équipe, hein, on est à peine une quinzaine de personnes. Après les profils, on va les distinguer, je dirais, en trois catégories. Tu vas avoir, bien évidemment, la partie produit qui est très importante chez nous. Donc, profil designer, product, puis le rôle aussi un peu des associés sans citer Thibaut qui a forcément un impact très fort sur le produit. Après, on va avoir une partie qui va plus être sur la partie recrutement pour le coup, parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est aussi l'essence même de notre métier, c'est de construire des équipes. Donc c'est un pôle qui est très important chez nous. Et le troisième, ça va être sur toute la partie marketing, stratégie. Là aussi, c'est une des ce qu'on appelle les unfair advantages qu'on propose aussi dans nos boîtes. Ok. Bah, je reste un peu avec toi sur cette question parce que ouais. Tu me dis Thibaut, il a un impact très fort. Bon, Thibaut Elzière, donc c'est un des deux fondateurs, hein, bien connu de Defounders. En quoi il a un impact fort quand on a lancé 25 boîtes? Il est toujours, il donne son avis sur chaque produit. C'est lui qui a la genèse de chaque produit. Comment ça marche? Ben, j'aurais tendance à dire que pour faire un peu le parallèle avec ce qui se passe peut-être à la fabrique, c'est que nous on est très hands-on, c'est-à-dire qu'on est dans le quotidien des boîtes, on n'est pas du tout dans des rôles de conseil ou de board member, même si on l'est sur d'autres points. Mais en tout cas, on est vraiment très actif dans les projets. Donc ça veut dire participer à la création du produit, faire des wireframes, shipper en prod, ce genre de choses. Donc oui, Thibaut est très actif. Avant le D0, il reste actif très longtemps dans les boîtes. Ouais. Ok. Et sur la genèse, justement, des produits, des idées, comment ça fonctionne? Moi, demain, j'ai une super idée, je frappe à votre porte en vous disant je rêve d'être incubé chez vous parce que ça semble tomber dans votre thèse de création startup, ou ça ne marche pas du tout comme ça? Je suis trop naïf, vous ne me répondez jamais. Non, alors on essaie quand même de répondre à tout le monde. Il y a forcément quelques temps, je ne t'aurais pas répondu la même réponse que celle que je vais te donner aujourd'hui, mais c'est vrai que 99% des projets eFunders sont des projets qui viennent, qui sont des idées qui viennent d'interne, qui ont maturé pendant quelques mois ou voire quelques années pour certaines au sein du studio. Parce qu'on essaie toujours de trouver que ce soit un avantage technologique, un avantage sur la go-to-market, que ce soit un avantage sur le produit. Donc on mature un peu ces idées en interne. Et puis notre rôle, c'est ce que je te disais quand je parlais de recrutement, c'est aussi de trouver des gens qui vont, au-delà de fitter avec nous et notre état d'esprit et notre vision de la boîte, vont surtout fitter avec l'idée. Donc on rencontre beaucoup de gens et à ces gens-là, on leur...
on leur expose un petit peu les différentes idées du moment. Et le jour où il y a effectivement ce mariage qui se crée, cette espèce d'association sur le fil d'idées, à ce moment-là, on lance le projet. Ok. Et je tire encore un tout petit peu le fil, et après, Marie, tu vas pouvoir répondre aussi, évidemment. Est-ce qu'à l'inverse, là, si je frappe à la porte en disant « moi, je me sens l'âme d'un CEO de startup e-founders », pour le coup, je n'ai pas l'idée, c'est là où vous allez essayer de faire le match. Vous allez dire « ah bah toi, tu as un bon profil, ça peut être intéressant, on a une idée pour toi ?» Ou c'est là encore, je suis un peu loin de la réalité. Souvent, je le décris comme un espèce de site de rencontre en triolisme, parce que ce qu'on essaie de faire, carrément, parce que ce qu'on essaie de faire marcher, c'est un CEO et un CTO qui se connaissent pas du tout, qui dans la plupart des cas ne se sont même jamais parlé. Ces gens-là, ils vont devoir passer entre 7 et 10 ans ensemble sur une idée. Donc tu vois, il y a cette espèce de tripartie entre l'idée et les gens qui doit hyper bien fonctionner. C'est l'essence même de notre métier, tout ce qui se passe autour. C'est pas superflu, mais en tout cas on pourrait complètement le changer. L'essence même du métier, c'est les gens qui accrochent bien évidemment à ton idée et au projet, et qui vont par la force des choses devenir le porteur du projet à terme. Ok. Marie, de ton côté, comment se passe la genèse des produits? Oui, alors c'est pas tellement donc les gens qui vont venir toquer à la porte. Alors on garde une approche pragmatique, donc pourquoi pas, mais c'est pas tellement le modèle. Nous, c'est vrai qu'on réalise toute l'idéation en interne parce qu'on a des territoires d'innovation qui sont bien définis, parce qu'on très simplement on réalise la veille aussi des levées de fonds un peu partout dans le monde dans le secteur de la fintech. Et puis on a une mission bien précise aussi, qui est de créer des startups dans la fintech qui peuvent s'inspirer de modèles existants, mais qu'on va savoir twister en amenant un avantage qui va venir aussi du groupe Crédit Agricole, parce qu'on a accès à un réseau de distribution qui est celui du Crédit Agricole, celui de LCL, à un marché, enfin en fait quand on s'adresse au Crédit Agricole ou LCL, c'est déjà un tiers du marché bancaire en France, parce qu'on peut avoir des actifs technologiques dans le groupe qui vont servir, parce qu'il y a une expertise qui existe aussi au Crédit Agricole sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Donc c'est ce qu'on appelle nous cette stratégie du plus, c'est-à-dire il y a des modèles dont s'inspirer, à reprendre, à copier, et à transformer un peu en amenant cette stratégie du plus grâce au groupe Crédit Agricole. Et donc ça, c'est la genèse de nos idées, de nos concepts, de nos propositions de valeur. Et donc, on va les travailler en interne au sein de la fabrique avec l'équipe cœur. Donc, sur cette phase idéation, test du concept, la proposition de valeur, on va aller jusqu'au MVP. Donc, on va faire cette première phase de delivery. Très vite s'enclenche la phase de recherche du CEO, du CTO. Donc pareil, on commence par là, hein, c'est les deux profils qu'on va chercher. On essaye de les faire venir quand même le plus tôt possible pour qu'ils s'approprient entièrement l'idée, la recherche qui est faite très en amont. Voilà. Et puis progressivement, du coup, il y a ce passage de relais vers l'équipe qui se constitue, donc le CEO, le CTO, et eux-mêmes vont recruter leur équipe, donc avec l'appui aussi de nos ressources RH, pour ensuite évoluer, alors toujours au sein de la fabrique, ensuite ils s'approprient l'idée, le produit, la mise en marché. Par contre, on continue à les soutenir ensuite pour réaliser ce go-to-market et exploiter, quand c'est le cas, la force aussi du Crédit Agricole. Et c'est marrant, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cet arbitrage de garder un peu l'innovation pure et dure, en tout cas de positionnement en amont dans l'équipe, versus par exemple un startup studio comme Kamet, qui se définit peut-être pas comme un startup studio d'ailleurs, ils sont pas là, donc je vais pas parler à leur place, mais qui, de ma compréhension des choses, eux vont d'abord constituer l'équipe cœur et la faire réfléchir sur son sujet de bout en bout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une core team par laquelle va passer tous les sujets d'innovation qui ensuite vont être distribués à une équipe. Pourquoi vous avez ce choix-là? Bah, en tout cas, enfin, je ne sais pas si on saurait le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire d'aller chercher des personnes
des CEO, des CTO et les faire réfléchir à des idées. Nous, c'est dans l'autre sens, c'est on travaille des idées et des concepts et on va chercher les profils adéquats, surtout qu'on est quand même sur des métiers assez spécialisés et d'expertise. Là, en ce moment, on travaille sur de l'immobilier, de l'investissement dans l'immobilier. On ira chercher le CEO qui a les bonnes expertises pour prendre ce sujet-là. Donc, on ne saurait pas le faire dans l'autre sens. Et puis, l'autre partie de la réponse, c'est aussi qu'y a des idées qu'on explore et qu'on laisse tomber. Et donc, on serait bien embêté aussi si on avait déjà recruté le CEO et finalement, on se retrouve à mettre un no-go sur une idée. Là, c'est arrivé récemment sur un autre sujet qui portait plutôt sur le paiement à l'international pour les PME. On a décidé de ne pas y aller. Heureusement qu'on n'avait pas encore recruté le CEO et le CTO, qui auraient eu des compétences bien particulières pour cette idée, cette. Je ne suis pas sûre qu'on aurait su finalement les recycler. Voilà, donc d'abord pour nous les idées, vérifier l'attraction marché, la viabilité, et là on peut enclencher, aller chercher un CEO puis un CTO. Et une dernière question là-dessus, et après on avance dans notre sujet, mais vous avez le temps avec cette core team d'explorer un sujet à fond en parallèle de coacher les startups. En fait, ça me paraît, là c'est très extérieur comme point de vue, mais ça me paraît hyper compliqué, sachant que quand on se lance dans un projet, le talk qu'on a eu avec les VC en début de semaine nous l'a un peu prouvé. Ils regardent vraiment la manière dont on s'approprie le problème de marché et dont on comprend profondément. Et ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis assez bluffé qu'avec une relativement petite core team, vous arriviez à faire du product discovery sur plusieurs sujets en parallèle, tout en coachant. Enfin, ça, c'est impressionnant, quoi. Non, alors il y a une personne effectivement qui a plutôt en charge cette idéation et ce côté, cette veille permanente. Il fait déjà beaucoup de tri parce qu'en fait, quand on applique les filtres, est-ce que ce modèle il se transpose bien en France, par exemple, quand c'est un modèle étranger? Est-ce que le marché il est suffisamment profond et solvable? Est-ce qu'on est capable de faire avec les moyens qu'on a, puisqu'on travaille avec nos fonds propres à la fabrique? Est-ce qu'on a un avantage concurrentiel à le faire avec le Crédit Agricole? Quand on passe tous ces filtres, finalement, lui, il va nous soumettre que quelques idées, et après, on va s'appuyer aussi sur nos entrepreneurs en résidence ou sur quelques personnes dans l'équipe cœur pour creuser une ou deux idées, mais on n'est pas en train d'en explorer cinq à la fois. C'est plutôt, il y en a deux. Voilà. Par exemple, pour 2020, il y en avait trois. Il y en a une qu'on a laissée tomber, une qu'on a déjà lancée et une qu'on continue à explorer. Voilà, c'est pas beaucoup plus que ça. Donc, c'est beaucoup de veille, mais c'est aussi des critères très nets sur comment filtrer, parce qu'effectivement, on ne serait pas capable sinon d'en explorer davantage. Ok, très clair. Une question que je voulais vous poser sur votre rôle personnel, puisque toi, Marie, tu as un titre de CPO, Didier, tu as un titre de créatif. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Didier, par exemple, toi, auprès des startups, tu fais quoi avec eux quand tu vas les voir? Alors, je dirais même pas créatif. Mon intitulé réel est designer et il est extrêmement explicite. Mon quotidien, c'est de faire du design pour tous nos projets, en tout cas qui sont encore dans le studio. Donc, ça c'est vraiment pour le coup, on parle de voilà, c'est design. Il n'y a pas de parade. Ok, Et du design au ok. quotidien. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé, il y a une notion de. On est dans le studio et après, j'imagine qu'il y a un stade de maturité qui fait que tu sors du studio, que tu as tes équipes, bien sûr, tes Exactement, product teams, n'en plus finir. que nous on a défini à la première levée de fonds qui intervient en général entre 10 et 18 mois pour les projets où on a besoin d'incuber un peu plus, mais effectivement, donc c'est la première levée de fonds en tout cas qui déclenche ce qu'on appelle l'indépendance de la boîte. Et c'est à ce moment-là qu'elle prend ses propres bureaux, qu'elle va combler, si je peux permettre du terme, mais combler les postes qui étaient pris en charge par iFounders, que ce soit du design, marketing ou du product. Voilà, elle devient complètement indépendante et elle spin-off. Et nous, on est à pour. Et c'est le deuxième rôle du studio, ou en tout cas de iFounders, c'est de devenir à ce moment-là board member
et d'être plus dans une relation de conseil, même si j'aime pas vraiment le terme, ou en tout cas de partage d'expérience sur la suite de la vie de la boîte, quoi. Ils continuent à t'appeler derrière ou pas quand ils volent de leurs propres ailes? Ou alors ils t'oublient complètement? c'est une très bonne question. On ne s'oublie pas parce que je pense que Marie confirmera, mais les startup studios, c'est un peu des structures un peu particulières où tu donnes beaucoup d'énergie pour des gens qui vont passer 12 à 18 mois avec toi. Donc il y a un lien qui se crée qui est assez particulier, hein, qui est au-delà du collègue ou de l'ami, c'est vraiment assez. Particulier, donc on est un peu une espèce de grande famille, donc quand il y a des problèmes, ils t'appellent. quand il y a moins de problèmes, ils t'appellent peut-être un peu moins, mais en tout cas, on est là pour fêter les succès, on est là pour les aider quand il y a besoin, et on s'appelle et on mange ensemble quand il y en a besoin. Ouais. Ok, ça marche. Marie, dans les questions, il y en a une qui est spécialement pour toi sur la représentation de l'expertise fintech au sein de la core team. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Voilà. Au sein de la core team, ou alors est-ce que tu t'appuies sur les expertises du groupe qui est derrière, du Crédit Agricole? Alors, tout le monde dans la core team n'arrive pas avec une expertise bancaire ou fintech. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit faire cette montée en compétences et la faire assez vite. Après, c'est vrai que le CEO de la fabrique, Laurent Darmon, lui, il a 25 ans de maison Crédit Agricole derrière lui. Donc, clairement, c'est notre caution sur ces sujets-là. La personne aussi qui est en charge de notamment de l'idéation, mais d'autres sujets, a travaillé aussi en ingénierie financière. Donc, on a quand même des expertises très fortes sur la fintech. Si on les a pas, il faut les apprendre assez vite. Mais c'est vrai qu'ensuite, au CODIR, par exemple, de la fabrique, on a tous plus ou moins une expérience dans la banque et la fintech. Notre CFO a été la DG d'Uniland. Moi, j'avais travaillé 2 ans au Crédit Agricole avant de venir à la fabrique. Voilà. Après, il y a des profils qui nous ont rejoints, qui ne venaient pas du tout de la banque ou de la fintech. Par contre, et on le voit en plus, c'est que les sujets qu'on prend maintenant sont de plus en plus trapus, de plus en plus complexes et experts. Donc, on sait aussi que nous, il faut qu'on montre montre notre jeu d'un cran aussi sur cette expertise fintech. Ok. Et une autre petite question qu'on nous pose sur le chat, Geoffrey. Bonjour Geoffrey, je connais bien. Qui demande la différence entre la fabrique et le village. Alors là, on sort un tout petit peu du thème Startup Studio. C'est plus une problématique Crédit Agricole. Mais est-ce que rapidement, tu peux lui répondre? Oui, complètement. Le village, donc déjà, il y en a une multitude, une trentaine, je crois, en France, sont plutôt des incubateurs. Donc, ils accueillent des startups donc en leur apportant des locaux, des services. Mais bon, les startups viennent et s'installent au village, à la fabrique. Donc, il y a une seule fabrique à Paris. Et nous, on crée les startups. On est à l'origine de ces startups. On en est actionnaire aussi. Alors que le village, il n'y a pas de notion de relation capitalistique entre le village et les startups. Voilà. Ok, très clair. Bon, j'espère que Geoffrey, tu as ta réponse. On enchaîne. On va parler de finalement un peu du pitch de la présentation de ce soir, c'est le côté tailor-made versus à la chaîne. Voilà, donc ça c'est un sujet qui est important. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quel point vous jouez un rôle de mutualisation ou d'industrialisation au sein du studio. Si j'explicite un tout petit peu plus ma question, comment vous capitalisez sur l'expérience finalement? Pourquoi une startup qui est la numéro 10? Alors, vous n'en êtes pas encore à 10 côté fabrique, mais bientôt. Est-ce qu'elle ira beaucoup plus vite que la numéro 1 et qu'est-ce que vous mettez en place pour que ce soit le cas? Didier, peut-être tu veux commencer par répondre là-dessus. C'est une question, c'est la fameuse question, donc elle n'est pas simple à répondre sans une phrase, mais en tout cas sur le point que tu dis, pourquoi elle a en tout cas plus de chances de réussir. Quand tu fais deux, trois fois la même erreur dans ta vie, que ce soit pro ou perso, en général, tu vas éviter de la refaire une quatrième fois. Et l'avantage du Startup Studio numéro 1, c'est qu'effectivement, nous, comme on l'a fait 20 fois, on commence à éviter un petit peu ce genre d'erreur qu'on a pu faire dans le passé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point sur ce que tu appelles la mutualisation.
C'est quoi une erreur type, pardon, enfin, juste pour qu'on soit hyper concret pour les gens qui nous regardent, c'est quoi l'erreur que vous avez évitée parce que vous l'avez déjà faite deux, trois fois et vous ne la faites plus? L'erreur principale, ce serait peut-être les mauvais choix de casting, qui sont, je pense, les choses les plus coûteuses pour une startup, qu'elle soit dans un startup studio ou qu'elle se crée par elle-même. Je pense que l'erreur de casting, c'est ce qui coûte le plus cher, effectivement, à une startup. Donc, c'est des choses que tu sais peut-être un peu plus identifier en amont avec le temps et l'expérience. Après la mutualisation, nous c'est vrai qu'on y reviendra je pense plus en détail, mais on a décidé de faire certains choix de mutualisation et d'autres qu'on a laissé de côté, typiquement la partie technique où je pense que ce sera peut-être un vrai élément différenciateur entre la fabrique et nous sur la partie technique. Mais c'est une question qu'on nous pose d'ailleurs, hein, Julien, sur le chat nous demande exactement ça, si vous avez réussi à mutualiser une partie de la tech stack pour accélérer. Ouais, nous en l'occurrence non, parce que notre scope étant très très large avec le SaaS, on pourrait effectivement créer des briques, mais ça, pas de. Si tu veux, quand tu fais l'essence de ce qu'est une startup, pour nous la technique, enfin tout l'aspect technique est hyper cœur dans le startup et c'est difficile de te dire que tu pars avec un cœur à moitié artificiel, qu'un jour tu vas devoir débrancher. Enfin, il y a beaucoup de questions qui arrivent quand tu commences à mettre ça sur la table. Donc nous, on a fait le choix de pas avoir cette partie technique mutualisée. Ce qu'on mutualise, c'est des process sur la partie product où effectivement on a un peu une. J'ai employé le mot bib, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, on a des process qui sont très forts et qui sont tellement fort que les boîtes qui kick funders continuent de les suivre et même une boîte comme Front aujourd'hui suit certains des process qu'on avait mis en place avec eux à l'époque. Okay. Et après, effectivement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la partie recrutement, la partie design et la partie marketing qui sont un peu mutualisées chez nous parce que je pense que la mutualisation de facto elle est surtout humaine, c'est-à-dire que c'est l'expérience qu'on a accumulée sur la création de ces 25 boîtes qui nous permet aujourd'hui d'aller plus vite. La difficulté et le challenge, c'est comment tu arrives à faire en sorte que si tu enlèves un des membres de la core team, cette expérience elle n'est pas perdue, quoi. Alors je vais revenir dans deux secondes sur la partie process produit parce que en plus on est une conf de product management, donc ça tombe bien pour te cuisiner un petit peu là-dessus. Mais si on reparle de la partie stack technique, parce que là, je sais qu'il y a une vraie différence de modèle entre la fabrique et eFounders. Donc, toi, de ton côté, Marie, il y a une recherche de mutualisation, de ce que j'ai compris. Oui, alors, je pense qu'en premier lieu, ce qu'on cherche à faire, c'est déjà de la capitalisation, effectivement, sur les retours d'expérience, les bonnes pratiques, le benchmark des outils, ça on voit, hyper important. En fait, toutes les startups repassent par les mêmes questions. De quel outil je prends pour faire tel type de test, quel outil je prends pour les analytics. Beaucoup sur autour des analytics, la partie grosse, beaucoup de questions là-dessus. Donc, sur de la data viz, les dashboards, on le voit, elles se reposent toutes les mêmes questions. Donc, finalement, là, il y a un sujet qui est de connaître les outils du marché, du moment, connaître leurs avantages, leurs inconvénients, tenir ça à jour, prendre les retours des différentes startups et du coup, consolider cette connaissance pour la redonner aux nouvelles startups. Du coup, je parlerai surtout là de capitalisation, de la connaissance, des savoirs, pareil, des erreurs, des écueils à éviter. Et ensuite, effectivement, on commence à regarder, parce que cette phase d'industrialisation, elle est nouvelle pour la fabrique. Hein. Les deux premières années, c'était déjà faut set-up et faut prouver qu'on peut délivrer. Maintenant, on peut se pencher sur cette phase d'industrialisation. C'est vrai que comme on est dans la fintech, il y a des aspects qu'on va retrouver d'une start-up à l'autre, des notions de KYC, des notions d'authentification, des solutions de paiement en ligne, par exemple. Et c'est vrai que là, alors il y a cette même dimension benchmark, connaissance des briques disponibles, et la question se pose de développer peut-être nos propres assets
ou d'aller piocher aussi dans des assets technologiques qui peuvent exister dans le groupe Crédit Agricole et s'en servir de construire dessus. Il y a un CTO là qui arrive dans quelques semaines, justement dans l'équipe cœur. On se dit que peut-être, je ne sais pas, c'est un exemple, je ne sais pas s'il est bon, mais peut-être que sur de l'usine logicielle, il y a des choses qu'on peut bâtir au sein de l'équipe cœur pour que ça resserve à toutes les startups. Et puis, c'est aussi le côté, parce que du coup, nous, on accompagne toutes les startups, on peut voir qu'il y en a une qui est en train de travailler sur un module, je ne sais pas, un module de création d'entreprise. Une autre startup commence à travailler là-dessus. Bah, tout de suite aussi, on va avoir ce réflexe de déjà de faire en sorte qu'elles se parlent. Et puis, on va peut-être dire à la première, est-ce que toi, ça, tu l'as apaisé? Parce qu'en fait, on sait déjà que ça va servir à la deuxième. Mais peut-être que pour la startup, c'est coûteux de faire ce travail d'apaisation. Et donc, c'est nous, équipe cœur, qui pouvons prendre en charge ce travail-là parce qu'on voit déjà que ça va servir sur l'autre startup. Là, on commence à le voir. On a deux startups qui sont assez proches en termes de cible et de marché. Peut-être que quand il y en a une qui travaille sur des modules, ça va servir à l'autre. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de passerelle, API, module, voilà. Un autre exemple que je peux donner peut-être, c'est on a une startup, Trajectoire Patrimoine, qui présente une solution avec derrière un simulateur. Peut-être que ça, on va pouvoir s'en resservir assez facilement pour tester un autre concept sur un autre marché. Mais ce côté, il y a une landing page, il y a un simulateur, ça peut resservir. Et peut-être que c'est un choix provisoire pour tester notre nouveau concept et derrière, on bâtira autre chose. Mais c'est ce côté aussi, qu'est-ce qui peut nous permettre d'aller plus vite parce qu'on réutilise. C'est pas pour autant que c'est le choix pérenne. Voilà. De toute façon, il y a toujours ce côté, qu'est-ce qu'on fait qui est jetable mais qui nous permet d'aller vite pour tester. Qu'est-ce qu'on fait comme choix qui va être pérenne, plus stable, robuste, escalable. Il y a la même question qui se pose, pardon, excuse-moi Didier, sur le design system. Vas-y, je t'en prie. Ouais, en fait, c'était ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, je pense que tu l'as bien dit, Marie, c'est une question d'arbitrage à la fin, entre ce que, et puis il y a aussi les caractéristiques qui définissent ta core team tu vois, par exemple, sur la partie technique, effectivement, comme on n'a pas de CTO partner chez eFunders, c'est sûr qu'on est peut-être moins légitime sur cette partie-là, en tout cas de création de framework ou autre. Et la deuxième chose, c'est la problématique de l'industrialisation du startup studio, c'est aussi l'arbitrage que tu dois faire entre le temps que tu veux passer à industrialiser et processiser versus le temps, in fine, tu passes à construire des startups. Tu vois, on est 12 personnes, si on monte 4-5 projets par an, ça veut dire que tu as tout le temps en roulement entre 4 et 7 projets. Si en plus tu dois passer énormément de temps à structurer, processiser, mettre en place des frameworks techniques, tu vois très vite que en fait, tu vas passer moins de temps à créer des startups et un peu plus de temps à créer effectivement toutes ces structures qui te permettent d'aller plus vite par la suite. Donc c'est un vrai arbitrage à faire en fonction de. Je pense surtout des caractéristiques des gens qui composent la core team. Ouais, très, très intéressant. Sur les process, je reviens dessus, les process produits, puisque, encore une fois, je pense qu'on a pas mal de gens qui sont des product people dans le public, dans l'audience. Donc, tu parlais tout à l'heure de, vous avez construit un truc qui a l'air hyper robuste, que même les startups gardent quand elles scale, parce que je crois que tu parlais de front, c'est ça? Donc, ils ont un peu scalé, donc... S'ils ont gardé les mêmes process, c'est qu'ils étaient bons, j'imagine. Tu as un exemple concret de ce que ça veut dire qu'on se projette un peu? Ouais, nous, on a un mode de fonctionnement. Enfin, là, je vais prendre le process le plus light qui existe chez nous et qui est le plus fondamental. C'est qu'on a trois moments clés dans la semaine de points de contact avec chacune des startups. C'est le premier, c'est ce qu'on appelle le kick-off, qui est un mail qui est envoyé lundi par le CEO qui récapitule un petit peu tout ce qui se passe dans la boîte sur tous les aspects et qui se traduit par un call le lundi matin de 42 minutes avec chaque projet pendant lequel on fait un peu le tour des problématiques qui peuvent exister et ça permet aussi à chacun de rentrer dans les d'apporter des idées un peu nouvelles même si c'est pas forcément ton métier de base. Le deuxième c'est ce qu'on appelle le GTM, donc go to market, qui est le deuxième call
qui a lieu le mardi. Où là, effectivement, la réflexion, c'est plus stratégique, marketing et vente. Et le troisième, qui est le product committee, qui est un call qu'on fait tous les vendredis, où là, on est très focus sur le coup, pour le coup sur la partie produit. Donc ça, vous le faites pour toutes les startups qui sont au studio, ça? Exactement, Et exactement. vous y participez, enfin la core team participe à chacun de ces calls pour chaque startup. Exactement. Donc Ouais, vous avez des semaines bien remplies, quoi. Exactement. Rien qu'avec les calls. Exactement. Donc on a À quel moment lundi, vous mardi. réfléchissez aux produits? C'est ce que je voulais rebondir tout à l'heure, mais effectivement, quand tu disais que la question du temps, il ne faut pas oublier que dans le mot Startup Studio, il y a Startup. On lance des startups et l'effort que tu peux avoir quand tu montes une startup en dehors d'une structure quelle qu'elle soit, il sera le même chez nous et multiplié par le nombre de startups qu'on a. Donc effectivement, c'est pas des jobs de tout repos, mais c'est aussi pour ça qu'on fait et pour ça qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Donc oui, effectivement, c'est très intense très intense. Déjà, si tu prends ces trois réunions là, bah, 3 fois 4 projets, ça fait déjà beaucoup d'heures de la semaine qui sont un peu consommées, on va dire. Mais en tout cas, c'est des moments qui sont hyper importants dans notre structure et quand je te parlais de front, pour être plus précis, bah, c'est des choses que eux font continuer de maintenir, en tout cas sur la partie kick-off et product committee. Très bien. Bon, il nous reste une dizaine de minutes. On va aborder le dernier thème pour ce soir, qui est sur le rapport entre le startup studio et les individus. C'est plus finalement quelque chose qui est orienté recrutement. C'est pourquoi moi, en tant que product, CEO ou finalement peu importe, j'aurais envie de rejoindre un startup studio, en tout cas une startup. Dans le cadre d'un startup studio versus une startup traditionnel, on va dire. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, même si c'est pas Bien sûr. le bon terme. Donc, je ne sais pas si qui veut commencer là-dessus. Je peux me lancer. Je pense que nous, les profils qui nous rejoignent ont envie de vivre l'aventure entrepreneuriale, mais ils viennent en minimisant la prise de risque. Parce que venir à la fabrique, ça veut dire bénéficier très tôt de certains appuis, conseils, de ressources partagées. Quand on commence sa boîte et qu'on a le luxe d'avoir tout de suite un juriste, un comptable, un financier, un marketeur à dispo, c'est du luxe. Donc, c'est vrai que ça, c'est quand même, ça peut être rassurant pour des profils qui oseraient pas tout à fait sauter le pas. Donc, on les accompagne de cette façon-là. C'est un peu l'idée aussi, c'est de réutiliser les bonnes recettes, les bonnes pratiques, d'éviter les erreurs pour maximiser les chances de réussite de ces startups. Donc, je pense qu'elles viennent aussi, enfin, que les personnes qui nous rejoignent viennent pour vivre une aventure entrepreneuriale. Mais avec une part du risque qui est minimisée, un appui qui est fort, tout de suite, voilà, beaucoup de ressources pour aller plus vite. Après, celles effectivement qui viennent au sein de l'équipe Cœur La Fabrique, nos entrepreneurs en résidence, là, c'est aussi une école de l'entrepreneuriat, parce que on accompagne beaucoup de startups, on les voit régulièrement, on voit les questions qui se posent, donc c'est une école aussi, un apprentissage de la vie entrepreneuriale dans toutes ses composantes. On voit passer des problématiques différentes, des personnalités différentes. Voilà, donc je pense pour l'équipe Cœur, c'est ça. Et puis les profils dans les startups viennent en bénéficiant tout de suite de cette richesse d'expertise, d'accompagnement. Ces ressources partagées de la fabrique. Ok. Et toi, de ton côté, Didier, comment tu nous vends eFounders? Écoute, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, effectivement, il y a le côté historique et ce qu'on pourrait appeler dans le monde du VC de portefeuille qui commence effectivement à porter ses fruits et en tout cas à nous apporter des profils qu'on pouvait peut-être moins avoir avant, même si nos ambitions à nous n'ont pas changé et qu'on a vocation à créer des boîtes qui sont toujours aussi
ambitieuse, mais clairement, l'historique, ça, c'est sûr que ça joue beaucoup. Après, je pense que, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as créé 25 boîtes, c'est sûr qu'on a nous, on a une expérience à partager qui commence à être assez conséquente. Après, c'est sûr que c'est un entrepreneuriat, et là, je rejoins Marie là-dessus, c'est un entrepreneuriat qui est forcément moins risqué que se lancer tout seul. Mais je pense qu'à la fin, ce qui compte, c'est les sujets qu'on aborde. Je pense que c'est pareil pour la fabrique. Les gens vont être confrontés. Enfin, tu vois, ce qui va faire adhérer les gens, c'est pas nécessairement avec qui ils vont. Est-ce qu'ils vont bosser avec Thibaut, Didier, Quentin ou n'importe quel membre de la core team, c'est in fine ce qui va les driver pendant 8 à 10 ans, c'est l'idée, c'est le projet et de créer cette aventure. Donc je pense que ça joue aussi, il ne faut pas le minimiser. Et effectivement, cette culture du produit et de l'excellence du produit qu'on a chez nous qui est peut-être un peu plus rare, disons, en France ou en Europe. Et qui est au centre de notre stratégie, et je pense que ça plaît énormément, en tout cas à des gens qui ont un profil très produit, c'est sûr. Ok. Et si j'étends un petit peu la question aux startup studios globalement, on voit qu'il y en a de plus en plus des startup studios. Donc, Ifanders, vous faites un peu figure d'historique maintenant, mais la fabrique est plus jeune. Lundi, j'avais la chance d'avoir Judith de Founders Factory, par exemple. On peut mettre Camette, donc voilà, il y en a plein. Ma question, c'est est-ce que vous commencez à vous tirer la bourre entre vous et pas uniquement vos startups, quoi. Pas uniquement par l'intermédiaire de vos startups, que ce soit sur le sujet du recrutement, peut-être principalement le recrutement d'ailleurs, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, est-ce que vous sentez que cet écosystème bouillonne un peu et qu'il y a une compète de startup studio? Je me permets de répondre par rapport effectivement à l'ancienneté ou... C'est vrai que quand on a commencé il y a 10 ans, on était un peu pris par des fous par tout le monde, notamment sur la partie investissement, où c'était quand même très très compliqué pour nos boîtes de lever de l'argent. Et puis petit à petit, on a vu quand même une explosion, comme tu le dis, du nombre de startup studios. Je pense que ce qui est important fondamentalement dans le modèle du startup studio, c'est l'innovation de l'entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat a longtemps été dans les mains de un ou deux individus qui créent de la valeur. Et le modèle du startup studio, c'est justement de dire, bah, en fait, on éclate tous ces concepts préétablis. Et cette valeur, elle peut être créée par plus de gens qui vont avoir de l'impact à un moment donné ou à un autre de la vie de la boîte. Mais c'est le partage de la création de, enfin, tu vois, je parle pas du partage des valeurs, mais en tout cas le partage de ce moment de création de la valeur qui change fondamentalement. C'est le modèle a un potentiel qui est monstrueux si tu étends ça, parce qu'effectivement on est dans l'univers des startups et d'internet et tout ça, mais si tu étends ce modèle de startup studio à d'autres domaines comme la recherche, médecine, ce genre de choses, tu changes complètement fondamentalement le milieu du monde du travail, quoi. C'est un bouleversement qui peut être beaucoup plus gros que juste la réussite personnelle d'un ou deux start-up studios. Donc non, plus il y a de start-up studios, mieux ce sera. Plus ça éduquera effectivement les gens sur l'entrepreneuriat. Et il ne faut quand même pas oublier que quand tu montes une boîte, l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose qui est très risqué. Donc s'il y a des structures qui permettent à des gens qui sont très talentueux, mais qui ont peut-être moins d'idées ou qui ont peut-être un peu plus d'aversion au risque de se lancer, franchement, tant mieux. Non, c'est un très bon point. Effectivement, ça ouvre les portes de l'entrepreneuriat, alors que c'était un cercle relativement fermé. Il y avait un dicton comme ça, on disait l'entrepreneuriat, c'est un sport de riches. Mais je ne suis pas là pour lancer des débats polémiques, mais je trouvais que la phrase n'était pas... Il y avait un fond de vérité, quoi. Il faut se permettre de pouvoir se lancer. Pouvoir le faire, bien sûr. Okay. Après, moi, je pense qu'il y a autant finalement de modèles que de start-up studios. Et tu disais, est-ce qu'il y a compétition? Moi, je ne le ressens pas comme ça. Il y a peut-être de plus en plus de start-up studios. J'ai l'impression qu'ils sont tous assez différents. Enfin, nous, à la Fabrique, on est un start-up studio dans le secteur de la fintech. Il n'y a pas exactement d'équivalent. Même un Camet, on ne fonctionne pas exactement pareil. Donc, j'ai l'impression que les propositions de valeur, elles sont quand même suffisamment différenciées entre les start-up studios pour ne pas le ressentir comme...
compétition, je vis pas tellement comme ça. Voilà, enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'à la Fabrique, on a une proposition de valeur bien spécifique entre la fintech, l'adossement au Crédit Agricole. On n'est pas un VC non plus. Voilà, donc on a un modèle bien précis. Et tant mieux s'il y a une multitude de start-up studios et de modèles afférents. Et ça, je pense que c'est important de préciser, effectivement, que vous n'êtes pas VC parce que dans la discussion qu'on avait avec Partech et BPI avant-hier, la convergence des modèles est pas mal revenue aussi parce qu'on se rend compte que les VC s'outillent de plus en plus pour accompagner leur portefeuille. Avant, il y avait une vision historique très financière du VC il venait relever les compteurs, il investissait, il relevait les compteurs et puis si ça allait pas, il remettait pas au pot quoi. Et on se rend compte que la philosophie elle a quand même beaucoup évolué pour aller vers des modes assez proches de celui du startup studio avec une philosophie de VC toujours hein, mais des services partagés, des head of talent qui vont recruter à l'échelle du portefeuille, qui vont mettre les gens en connexion, etc. Et donc, c'est vrai que parfois, on peut avoir un peu une convergence des modèles. Ouais, pour autant, je les ai écoutés, ceux de Partech et de BPI lundi. Je pense que par contre, ils ne gèrent pas l'exécution et le delivery. Et en fait, il y a effectivement les ressources partagées, la mise en relation, le recrutement. Mais ensuite, dire, il y a aussi des designers, des développeurs. On assure le dev du MVP. C'est aujourd'hui, je pense, une compétence, un savoir-faire qui est dans les start-up studios, les VC vont pas forcément jusque-là. Voilà, en tout cas, pour non, c'est clair, cette exécution, ce delivery, là, c'est bien la mission aussi qu'on a avec les start-up studios. La mise en marché, c'est nous qui la faisons. Voilà, donc ça reste quand même assez différent de ce point de vue-là d'un VC. Très bien, très bien. Bon, ben on arrive gentiment au bout de ce talk. Je regarde s'il y a des questions bonus qui vous ont pas été posées. Bon, il y a eu des petites questions sur le capital. Hein. Elle est remontée. Alors, je vais avoir on va être très transparent. C'est un sujet qui n'était pas complètement sec pour tout le monde dans ce tome. Donc, on a décidé volontairement de pas en parler. Pas parce qu'il y a des choses à cacher, mais parce que voilà, on voulait pas annoncer des choses qui seraient caduques demain. Ça risquerait d'être un petit peu déceptif, mais je suis sûr que si vous voulez avoir des réponses, vous pouvez vous adresser directement à Marie et Didier, ils vous donneront les réponses, mais on a fait le choix de ne pas mettre ce sujet-là sur la table pour ce soir. Je vais vous remercier tous les deux d'avoir accepté l'invitation. J'espère que pour les gens qui nous ont écoutés, ça leur a apporté des réponses. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, il y aura le replay qui sera disponible il sera disponible juste après. Donc, vous n'hésitez pas à vous refaire ce talk pour bien écouter nos réponses. Bon, bonne soirée à tous les deux. À très bonne bientôt. Soirée. Merci beaucoup. Salut Didier, salut Marie. À bientôt. À bientôt. Au